Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle, majorité parlementaire, quatre groupes de la plateforme ont échangé avec les chefs de l'État sur la situation d'occupation militaire des Goma par des troupes de M23 et de l'extérieur. Trois groupes de deux familles politiques présidentielles ont discuté donc avec le président Joseph Kabila Kabange en dehors du PPRD qui attend son tour. Il s'agit de 50 députés de l'AFDC et des Terres d'Avenir ainsi que leurs alliés, de 60 députés des Palou, des MSR plus leurs alliés, de 60 députés du groupe de Renouveau, l'ARD ainsi que leurs alliés. Après avoir écouté les points de vue des uns et des autres sur la situation de l'Est et leurs propositions de sortie des crises, l'autorité morale a expliqué l'importance de sa participation, ses derniers contacts diplomatiques et les résolutions prises au cours de deux récents sommets extraordinaires de la CIRGL de Kampala. À leur tour, les élus du peuple devront transmettre à leur base, qu'ils représentent à l'hémicycle, les enjeux de cette guerre et les voies et moyens d'y mettre rapidement fin au grand bénéfice de la population de la partie orientale de la RDC en particulier et du reste de la République en général. Mais dans quelles circonstances cet accord a été signé et il nous a rassuré que ce n'est vraiment pas, certainement pas, dans le sens où le peuple congolais ne trouve pas son compte. Donc le peuple congolais, dans cet accord, trouvera certainement son compte. Et il ne croit pas avoir s'être trompé pour engager la République démocratique du Congo dans cet accord. Et il est sûr et certain que nous sortirons du bourbier. On dit félicitations quand qui crie mobilisation, nous devons les suivre, mobiliser à notre tour pour qu'on puisse bouter dehors l'ennemi et démoraliser ceux qui sont en train de confondre les intérêts du pays avec les intérêts propres. Le président de la République, qui est notre autorité morale, majorité parlementaire, nous a accueillis et nous a donné un message très fort. Vous savez bien qu'il n'a pas cessé à mobiliser la population congolaise. Et cette mobilisation tous azimuts aujourd'hui est en train de trouver solution. Il y a eu beaucoup de malentendus et aujourd'hui le président de la République a éclairé énormément de points. Et cette cinquantaine de députés qui sont tous membres de la majorité parlementaire et donc de la majorité présidentielle sortent d'ici bien informés des enjeux de la guerre au Nord Kivu. C'est de ça qu'il s'est agi et rien que de ça. Ce n'est pas le moment où on doit se jeter les responsabilités. C'est le moment où la cohésion et l'unité nationale doivent primer pour que effectivement la paix, cette paix que le président veut, cette paix que le peuple congolais veut, cette paix que toute la région veut, que cette paix revienne. À très court terme, le chef nous a dit, c'est la paix, rien que la paix. Il est normal, dans le cadre de la mobilisation générale du peuple congolais, que chaque individu, chaque institution, chaque composante de la nation puisse contribuer. Voilà la raison de notre rencontre. Mais puisque vous me parlez des négociations et tout ça, il est plutôt question d'une évaluation des accords du 23 mars 2009. En tout cas, ce n'est pas des négociations dans le genre dialogue intercongolais, Sand City, Pretoria, etc. Mais laisser faire le processus de Kampala, parce que ce processus, c'est aussi une chance pour une paix à Goma et dans le Nord Kivu.